monde ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à l'impact. Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Je sais que je suis complètement en retard et qu'il y a déjà masse de youtubeurs qui vous ont fait des vidéos sur les nouvelles mises à jour, etc, machin et tout. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer déjà que je suis un peu de retour parce que ben, c'est bien d'avoir sa place aussi et puis des fois on n'est pas tout le temps là. Ah, mais je voulais aussi vous montrer que j'avais débloqué le pass de la saison 4 dans son entièreté. Je vais vous montrer ça, pass de combat, vous voyez j'ai les 100 paliers et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait comme à chaque pass de combat effectivement depuis que c'est sorti, hein, j'essaye de tout acheter pour tout vous montrer, tous les skins etc machin et tout. Je sais, vos blagues de merde, oui pigeon machin et tout, écoute, j'ai des V-Bucks, faut bien les dépenser non? Non. Le premier skin, c'est le père Carburo. Le deuxième, c'est le petit père Omega. Mais évidemment, je vais pas vous cacher, c'est mon skin préféré, hein. Il a vraiment de la gueule. Le troisième en gold, c'est Valora, une petite meuf toute sympa qui est, je sais pas, qui a les cheveux roses. Elle vient sûrement d'une autre planète, un Krypton, un truc comme ça. C'est peut-être la meuf à Superman, on n'en sait rien. Hein. Elle a un diadème sur le front. Peut-être qu'elle a la technique secrète de Tsunade, celle qui lui permet de régénérer son corps. On n'en sait rien du tout. On connaît pas l'histoire, on connaît pas les bails des personnages. Le personnage suivant, on commence à taper dans du violet. Donc c'est effectivement le chef de section parce que bon, y a une météorite qui a pété. Il y avait la NSA, la NASA, le FBI et tutti quanti. Il y avait même les Mexicanos dessus. Donc évidemment, il y a l'armée qui est intervenue. Ils ont fait un skin chef de section. Il y a les casseurs, hein, les chômeurs, tout ça. La CGT, les grévistes qui se sont mis un peu dans le tas. Donc effectivement, on retrouve des graffeurs, etc. Et on a les gueules cassées, les rescapés de guerre, le faucon. Mais c'est un vrai héros, fait partie de l'ensemble force avancée. Tu vois, même, il a même pas eu le temps de finir son tatouage avant la fin de la guerre. La météorite, elle a pété. Lui il était là en mode mais mon tatouage j'avais payé deux séances tu vois et il s'est retrouvé dans la merde totale. Ensuite il me semble qu'il y avait encore une petite meuf. Voilà c'est ça, elle est la Zoé. Et puis t'as celle qui comprend rien parce que elle est super sympa mais elle est un peu con. Tu vois, on a tous un pote comme ça. Tu peux le taguer en commentaire, donner son prénom, tu vois. Super sympa, mais très con. C'est le mec qui est tout le temps à côté de la plaque, tu vois. C'est la guerre, il y a une météorite, on a des skins d'aliens, de chefs de section, de machin et tout. Puis il y a Zoé, elle est là, elle est en tutu, elle fait de la danse et tout et... Elle a pas compris. Voilà, ça peut arriver. Bon, écoutez les amis, on va se lancer une petite partie. On découvrira pas aujourd'hui le crash de la météorite et tout. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer un top 1 sur cette nouvelle mise à jour avec le nouveau skin Omega. Et puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti, accrochez vos ceintures. Didier, Robert, vous êtes prêts pour la régie, tout? Non, mais tu finiras de le plus tard, il y a pas de problème. On fait ça après. On fait... Ok, nickel. Alors les petits potes, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte et comme vous avez déjà pu voir 2000 vidéos dessus, le crash il se situe au niveau de Dusty Depot et Tilted Towers a été touché. Donc on n'ira pas à Dusty Depot aujourd'hui, je pense qu'on va se faire un petit Salty Springs, ça va déjà être assez chaud comme ça. Ensuite on bougera sur Tilted Towers et le crash de la météorite on le fera plus tard. Donc je suis sûr, vous l'avez déjà vu chez Mikalo, vous l'avez déjà vu chez plein de monde. Mais pas chez White Shark, White Shark il est toujours en retard, White Shark il est toujours dans la merde, White Shark il fait toujours des conneries. Et puis voilà. En même temps, je vais pas te cacher, j'avais du monde à la maison cette semaine. Je pouvais pas découvrir la mise à jour. En plus, ces derniers temps, je pue la merde sur Fortnite. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait tous des bêtises, mon pote. Premier landing, j'atterris par terre. J'ai une nouvelle mitrailleuse. Il me faudrait un shotgun. Nice, le sniper et un peu de vie. Voilà. Putain, et on a même les nouvelles mines. Putain, je l'ai lavé, mon pauvre. Oh là là, allez! Ah, je crois qu'il a pris sa bouche. Il a pris dans toute sa bouche. Bloup, bloup. Alors on va essayer de se jouer ça au calme. Ah, il y a du monde sur ma position. Je sens que je ne suis pas tout seul. Lui, je vais pas pouvoir l'avoir. Je vais essayer de laver tout ça. Il est au top. Allez, allez, allez! Oh là là, ça passe. J'avais pas de shotgun ni rien, mais c'était tellement chaud. On va mettre le shotgun ici, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va virer ça. Est-ce qu'il y aurait pas, à tout hasard, des bandages quelque part? Tu vas pas me dire que surtout Salty Springs, il n'y a pas de bandages, il y a que dalle. Bon, on va terminer de looter ça au KLM et on verra bien. Il y a un lama dans Salty au calme! Oh, c'est beau!
on va récupérer le lama, déjà ça va me mettre bien en ressources, et on va voir le genre de cadeau qu'on a à l'intérieur. Oh. Ok, le petit coffre là, évidemment. Les petites potes qui font extrêmement plaisir, j'ai vu le petit coffre mais je m'attarderai pas dessus, j'ai pas envie de l'ouvrir. Ici il y a rien, là il y a ça, on va aller taper ça et ensuite on va bouger, on va chercher un peu de kill parce que mine de rien, le nombre de joueurs vivants a quand même bien baissé. Là il y a que dalle, now we good to go, ok, on va bouger, on va se rabattre sur Tilted Towers parce que j'avais dit que... Ah. Oh le bâtard. Non, il m'aurait juste fallu cette balle pour pouvoir le tuer. Alors, est-ce que j'arriverai à l'avoir? Ouais, j'ai 700 de ressources, je vais aller le chercher un peu. J'arrive pas à lui rentrer cette boulette. Attends, il est en train de s'enfuir là, il est sérieux, il m'a pas entendu. Bah, mon petit Bambi. Ah, toi, t'étais pas concentré. Allez, on va aller chercher le loot. On va aller chercher le loot et puis ensuite on va bouger vers Tilted. Et je crois pas qu'il y a de monde ici. Putain, c'est un début vraiment timide, hein, 3 kills. Je crois que je vous ai jamais fait un début de vidéo aussi pourri. Et du coup... Je savais qu'il y avait du monde derrière. Voilà, tiens, ramasse ta balle. Il a pris une 7 balles dans la bouche, mon pauvre. J'adore cette carabine. Cette carabine est délicieuse. Gotaga m'avait pas menti. Il avait dit, oui, la carabine, elle est bien et tout. Non, c'est la vérité, elle est ouf. Elle est juste splendide. Et maintenant, du coup, on va pouvoir se déplacer délicatement vers Tilted Towers. Ma ville de prédilection en fait, je crois que je fais que des spawns là-bas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas de kill aujourd'hui. J'ai pas spawn à Tilted, donc je suis un peu déçu. Ça va faire quoi? Ça va faire un... Si jamais j'arrive à le faire, ça va faire un top 1 à 9-10 kills. C'est pas ouf hein. On est loin du record de 30-40k. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y'a plus personne? Évidemment qu'il y a du monde. Où t'es mon brave? Allez, terminé, encore deux. Mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Là il y a un coffre. Ah c'est ça qu'ils cherchaient? Les deux là? Tout ça pour ça les gars, sans déconner? Eh, faudrait peut-être faire un effort. Je voulais savoir aussi, je voulais vous demander quelle touche vous utilisez pour placer vos murs? Parce que j'ai mon sol, j'ai mon toit sur le clic de la molette. J'ai le bouton 5 qui me sert à faire les escaliers, et j'ai le bouton 4 de la souris qui me sert à faire les murs, et annuler la construction, switcher les constructions, c'est sur A. Le problème qu'il y a, c'est que pour faire mur, escalier, j'ai du mal. J'ai du mal puisque les deux boutons sont sur la souris. Sur quoi mettez-vous votre touche de mur? Peut-être que je pourrais gagner un petit peu en efficacité, je sais pas. Peut-être qu'il y a un abonné qui est super ouf dans les commentaires. Peut-être qu'il y a un abonné qui a plus de 1000 top 1. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas faire une vidéo avec se faire carry par les viewers sur Fortnite. Ça pourrait être super sympathique. Pourquoi on ferait pas des vidéos avec les viewers sur Fortnite? J'avoue, même sur R6 en fait. Si c'est un concept qui vous intéresse, lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et waouh, le crash de la météorite. J'en ai jamais vu encore. J'en ai jamais vu encore. Et là, je suis impressionné parce que tout Dusty Depot a explosé. Donc là, il y a eu du monde là dans pas loin. Peut-être ils se promènent toujours dans pas beaucoup très loin. Et moi, je suis en train de les chercher, mais je les vois plus. Ça a tiré juste à côté de lui. Lui, il va se faire une base là-bas. This is not cool. Et à ma gauche, je n'ai personne encore. Je me fais run. Mort. Allez, tu tombes! C'est fini gros, tu joues plus! On ouvre! Il y a un fort portatif. Ça pourrait peut-être me servir. Je vais prendre ça plutôt que la carabine. Et on va y aller. J'allume, je vais le run. Oh putain, elle encule sévère. Oh, oh, est-ce qu'il peut le faire? Le joueur franco-portugais qui se déplace.
vers la zone et qu'il n'arrivera sûrement pas à avoir le joueur en face. Allez, on boit. Il me casse la tour. Est-ce que ça peut le faire? Alors, attention. Est-ce que ça peut le faire? Il m'envoie des roquettes. Je n'ai rien pour me soigner, ce n'est vraiment pas cool. Je n'ai rien pour me soigner, ce n'est pas cool. Ils se font run. Attention. Allez ! Ce top a été tendu de ouf. J'en ai marre d'avoir des games de merde comme ça, c'est pas possible, c'est beaucoup trop difficile. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce petit solo top 1 des familles. C'est la reprise de Fortnite, je suis désolé de pas avoir fait masse de kills, mais ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce petit gameplay qui était ultra difficile et je sais pas comment j'ai fait encore une fois pour m'en sortir vivant. C'était très très compliqué, mais on a réussi. Un petit coup de lance-roquette, un petit coup de fusil à pompe. Voilà, vous connaissez les bails. Lâchez-moi un petit pouce bleu, explosez-moi cette barre de like. Faites péter les commentaires et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos Fortnite, Rainbow Six et plein d'autres. Faites des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Ciao tout le monde, peace.